Et salut à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur cette chaîne Humanity Replay. Replay du stream, n'oubliez pas de rejoindre la chaîne stream Humanity eSport. Je vous laisse avec le gameplay de cette game destroyer, le pro player destroyer alias TipTop. Bon visionnage à tous, tchou. Ah ouais, en vrai faut que je joue les destroyers européens, moi je suis trop nul au destroyer. Trop nul au destroyer. Je vais trop regarder mon truc pour pas être spot et je vais avoir trop le seum parce qu'il y a un mec qui va claquer un radar et je vais avoir trop le seum. Mais il faut que je joue ça en vrai. Bon, les avions, ouais. Ça, c'est chaud en vrai. Bon les gars, on va jouer Destroyer, vous allez voir mon niveau exécrable au Destroyer. C'est pas regardable. En fait, je vais la rush pour cap un point rapidement et derrière je vais back et je vais me faire spotter par deux gars, par un Destroyer en face, il va m'éclater. C'est souvent ce qui se passe. Où j'ai une connaissance de la map assez mauvaise et du coup je push à un endroit qui est bien, je cap le point, c'est bien, et derrière je vais à un autre endroit. Et là je me rends compte qu'il y a un mur de bateau. Du coup je fais demi-tour, je fais des gauches-droites et je prends tout alors que voilà quoi. En plus on est en game tennis, il y a un porte-avions tennis, quel enfer. Et puisque je peux pas. Et puisqu'en fait, tous les destroyers que je joue, j'ai joué le terrible et je joue les destroyers européens. Puisqu'il n'y a pas de smoke, et bah c'est compliqué. C'est compliqué pour moi. En vrai, là, faut que j'aille B et qu'après j'aille derrière les îles. En vrai de vrai. En vrai de vrai. Action stations. Ou c'est de la merde et faut pas y aller. Et je reste derrière les îles et j'attends. Et après, j'y vais. Peut-être faire ça plutôt. On va se mettre derrière ces îles là. Hop. Alors les avions, c'est vraiment chiant. Voilà, ça dégage. Moi, je vous avoue que je mets pas trop le truc. Je sais comment on fait pour l'entière là, pour le mettre d'un côté ou de l'autre, mais je le mets pas trop parce que je sais pas si c'est vraiment worse. J'ai pas l'impression. Ouais, c'est peut-être moi, mais j'ai pas l'impression que c'est worse de ouf. De lock d'un côté. Puisque c'est genre 10 secondes, non 15 secondes, c'est. Je sais pas trop. Alors Roland se fait arrache. Ouais bah attention, je sais, mais bon. Ah y'a un Yoshino. Salut les avions. Au moins on aura tué des avions dans cette game les gars. Ça c'est beau. J'ai pas la portée. Est-ce que je suis pas le tort? On me voit pas là, on est d'accord? Mais jamais ça passe. Jamais. Est-ce qu'on trouverait pas un bon angle de tort? Ou est-ce qu'on va finir par cap ce point? Là c'est plutôt pas mal en vrai.
Bah, j'avais personne qui m'a flash. Je pense. Il me saoule. Ils veulent que j'aille cap. Ils veulent que j'aille me suicider. Insupportable. De toute façon, c'est pas comme si moi j'en ai une qui a foiré. C'est pas comme si elle était pas longue, notre arme de Warpy. Non, mais il a pris trop cher là. Et puis c'est un cuirassé qui m'a tiré dessus, mais c'est un FDP. Y'a personne du côté de la map. Enfin, j'ai 6-5 de détection. Hein. Mais il se prend quoi, sérieux? C'est du Yoshino qui lui tire dessus? Bon, il n'y a personne mid, hein. C'est bizarre. On va aller chercher le porte-avions, les gars. En fait, ils sont tous là-bas. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Je sais pas où il est là de DD. Est-ce qu'il est. Ah non, mais il est là-bas au fond. Ok, en vrai, il y a moyen de faire un truc, du coup. Je vais aller chercher le porte-avions, les gars. À moins qu'il est follow. Il se tente de capser. Pas trop cul en vrai. Oh si, ça se tente. Alors non, ça c'est relou de ouf. Ah. Bon là par contre je suis dans la merde. En vrai je vais push le portage, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre les gars. Ce qui est bien c'est que mon anti-air il est pas vénère quoi. Allez les secondaires, allez les anti. C'est bien parce que tous les avions fument. Il a l'air un peu naze le porte-avion. Mais lâchez-moi, mais lâche-moi frérot. Les frères ils crèvent jamais ces avions. J'en peux plus. J'ai toujours pas la portée. Allez, donne-moi la portée. Ok. Ah bah, le jeu de l'anti-air, ouais, on peut le dire. Hein.
arrêtez. Il est nul leur porte-avions. Je suis pas là, mec. Je vais chasser leur porte-avions. Ouais, moi je suis un débile, c'est ouf. Vous avez vu ces dégâts, les gars? Le porte-avions. Comment ça? Ils ont rangé. Anti-aircraft gun crews are on normal alert. Il est dans le coin, le porte-avions. Mais vraiment. Oh non. Faut que je commence à lancer. C'est lequel tu dedans? Ok, c'est bon. C'est pas grave ça les gars. J'ai des petits problèmes, hein, je vous jure. Moi je suis chaud, hein. Le porte-avions c'est... Non, je suis mort. Je suis mort. Je veux sortir leur porte-avions. Ok, je les ai envoyés. Allez, on y croit. On y croit, les gars. Vraiment, cette inutilité. Le rush porte-avions qui n'a aucun sens. Oh là là, tout ça pour mettre zéro dégâts porte-avions en plus. Il est parti. Ah non, il va partir. Dommage qu'elles font pas beaucoup de dégâts ces torpilles. Ah, hein. Oh, cette game est loose, mais qu'est-ce que c'était marrant. Ah, on a tapé des avions. Ah, les avions. Ah, les avions. Ah, le porte-avions. Et merci d'avoir regardé ce gameplay sur Dwarf Warship. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas à vous abonner à la chaîne Twitch et YouTube. Des bisous. Tchou tchou.